again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been... Hey friends, je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette vidéo parce que c'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire pour ma chaîne en tout cas. Je vais vous faire une vidéo swatch pour les rouges à lèvres de la nouvelle gamme Rouge Lac de chez Bourjois. Alors moi ça fait quelques mois que j'ai essayé ces produits mais normalement ils viennent de sortir. Voilà les petits beautés, il y a 8 couleurs dans cette gamme. C'est une finition satinée, légèrement glossy mais pas trop. Et surtout c'est longue tenue, ce qui... Pour moi, j'y croyais pas trop en fait, je vous avoue, je me suis dit c'est pas possible si c'est satiné, fini confortable, satiné et tout. Ça va pas rester longtemps, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'applique, c'est satiné, c'est joli. Au fur et à mesure, ça commence à partir cet effet satiné et ça laisse une super jolie tache sur les lèvres. Du coup, moi je les porte d'une de deux façons. Si je veux une couleur vraiment très forte et pop, avoir ce côté glossy, j'en applique pas mal sur mes lèvres. Et si si c'est juste une journée de maman de tous les jours et je veux juste un petit peu de couleur qui va durer quand même presque toute la journée, j'utilise juste un tout petit peu de produit, je l'applique avec mes doigts pour les stamper et ça fait une super jolie tache que j'adore. Et un très gros merci à Bourjois d'avoir travaillé avec moi sur cette vidéo. Là, j'ai toutes les swatches. Et de plus, j'aurais besoin d'un petit peu de vos conseils pour quelque chose à voir avec ces produits. Je vais vous demander tout à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin pour voir toutes les swatches et répondre à ma question s'il vous plaît. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Can make me move. You, 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 you can make me move. Can make me move. You, 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 you can make me move. Can make me. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, la question du jour, c'est que je vais certainement porter une de ces couleurs, un de ces teints pour le Gap Beauty parce que vu que ça va être toute la journée, je veux quelque chose qui va durer et qui va pas me sécher les lèvres justement.
Et aussi qui est modulable, c'est-à-dire si j'ai besoin de le réappliquer pendant la journée, ça va pas faire moche, j'aurai pas besoin de tout enlever, vous voyez, parce que ça aussi c'est un peu embêtant. Là j'ai pas ce problème avec ces produits, donc justement pour un truc qui va tenir toute la journée. Et qu'est-ce que c'est le teint que vous préférez le plus? Qu'est-ce que c'est le teint que vous me conseillez à porter? J'hésite le plus entre 07 que je porte actuellement et le 04 Self Peach. Parce que, oh punaise, j'adore les deux. Vraiment, ces deux couleurs complètement opposées, tous les deux flashy, mais je les aime trop. Sachant aussi, dans ces conseils, de garder en tête que je dois prendre les photos toute la journée. Donc, je veux que ça fasse joli pour les photos et tout, et je sais pas. J'arrive pas à me décider. Ou peut-être que je devrais faire nude, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, vous votez dans les commentaires et je vous dirai sur Snapchat la couleur qui a gagné. Et puis on va voir si ça va avec la tenue et ça serait ma couleur. Merci pour les conseils. Je vous aime trop fort et j'ai très hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!